Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit haut d'action. Je peux aller maintenant. Je suis allée hier et je n'ai pas pu faire avant. Donc, je vous montre. Bon, à la base, vous allez voir au petit action. J'ai trouvé les tampons vintage. Toujours pas. Alors, en promo de la semaine, il y avait des épées. J'ai pris celui-là. Donc celui-là, c'est avec des diamants néons. Diamants spéciaux néons. Il est magnifique. Je n'avais jamais vu ça. C'est bien les diamants ronds. Diamants spéciaux, c'est les ronds principaux. Il y a pas mal de couleurs. Beaucoup de compétits, mais 40, 60. Alors, il était à 3,99 au lieu de 4,90. Là, ça va. J'ai repris ceci. Vous verrez bientôt pourquoi. Ces petits blocs-là, 15, 14, je ne sais plus comment ils font. Ces petits blocs. Daydream Vibes, il y a 5 sans feuilles, 5 designs, 5 pour 20. C'est 100 grammes. Mais, j'ai encore un truc en doigt, j'arrive pas à enlever depuis 2 jours. Vous savez, c'est les feuilles, on va dire, aquarelles, rose, bleu, magnifique. Il y a 5 feuilles de chaque. Il y a un dégradé. Et bon, après, il y a des pages que je trouve. Celui-là, bof, les petits cœurs. Que. Voilà, ça c'est à tomber. Il y a des pages que je trouve qui vont pas. Enfin, c'est pas très cohérent entre elles. Mais ça va. Et j'ai pris le Vinted Botanical. Je vous le montre vite fait, vous les connaissez. Bon, ces pâtes-là, j'aime pas du tout. Il y en a d'autres qui sont sympas. Voilà, c'est pas très vintage. Mais... Hop. Moi, je les ai, ceux-là, je les trouve plutôt sympas. Voilà. Je monte ça à la fin. Je cherchais dans mon grand action les nouvelles perles, les nouveaux petits sachets. J'ai trouvé les 4 que je voulais, donc c'est parfait. Il n'en restait plus que 2, il y avait... Ce que je vais vous montrer, il y avait doré et argent, mais j'aime pas du tout. Donc j'ai pris les petits cœurs comme ça, enfin, les petits perles en forme de cœur. Elles sont un peu plates, il y a plus ou moins 30 grammes. Ils appellent ça des perles de façon. Et celle-là, mes préférées, celle-ci. Ah, celle-là, celle-ci était en doré argent. Mais, même, pardon, même plus petit, je crois. Là, il y a pareil, plus ou moins 30 grammes. J'ai pris celle-ci, en forme de cœur aussi. Et là, c'est vraiment cœur. Donc, on a plein de couleurs. Ils ont toutes plus ou moins 30 grammes. Et ceci. Alors ceci, pour moi, c'est pas vraiment des perles. C'est un peu comme des lamelles. Vous savez, quand on a du rayon fond un peu. C'est un peu celui-là. Mais je me dis, à voir si on peut les coller. Pas trop quelle matière ça.
Voilà, ça, ce que je cherchais depuis. Il a eu un chien. 15 jours. Et en regardant une vidéo l'autre jour, il n'y a pas 30 ans, il y a 2-3 jours, j'ai vu une fille qui faisait un mood board, carte mood board, avec les ailes comme ça, c'est une aile. C'est la première fois que j'en prends un. Miral, pas trop quoi faire avec. Mais celui-là, mon choix, c'est. Il y a muguet, il y a. Printemps, quoi. Voilà. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le grand avec les cases. Après, vous voyez, celui-là, il est super sympa. Celui-là, on a la biche. Les fleurs là, j'aime un peu moins ceux qui sont en haut. Mais c'est surtout d'ail général que j'aimais bien. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Bon, après tout mettre, ça fait beaucoup. Il y a ces autres modèles là. Les autres, j'ai pas pris. Je crois qu'il y en a 3,99, je crois, 3,39. Nouveauté aussi. Au rayon peinture, j'ai pris le set d'aquarelle. 70 couleurs. Hop. Donc on a le pinceau au réservoir d'eau. Les godets pour faire les mélanges. Il y en a des couleurs super sympas. Bon après, il ne faut pas non plus leur demander grosse épaisseur. C'est du avec. Mais il y a beaucoup de couleurs. Parce que moi, j'ai les deux petites, là, ils ont. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et puis en plus, celle-là, il y a des métalliques. C'est celle du bas. Et la boîte, après, vous la fermez. Nickel, quoi, ça fait ranger. Voilà. Et la nouveauté aussi. Attendez, j'en ai pris. Hop. Voilà. C'est les paper, comment ça s'appelle? Texture pattern. C'est les blocs 4. Alors, au début, je voulais pas les prendre. Parce qu'en caméra, des fois, ça rend pas pareil, quoi. Et en fait, quand je les ai vus dans les mains, c'est plutôt pas mal. Donc, par contre, toujours les trucs qui tiennent pas. Hein. On a l'habitude. Donc là, il y a les couleurs là. Et le design, je sais pas si vous allez bien. C'est les fleurs. Mais là, on voit bien. Après, je me dis, faire un pomme sur une ATC ou un timbre ou un petit embellissement comme ça. Et mettre un petit strass au mieux, faire le cœur là. Pourquoi pas? Donc, on a différentes couleurs. Donc là, il y a, je peux être d'oranger. Il y a deux de chaque. Après, on a en bleu turquoise. Bon, celui-là, j'aime pas, il fait de croix là. Les couleurs sont super sympas. Ça, c'est saumon. On a du rose. Par contre, il y a quatre modèles. Alors, celui-là, devant. Je me suis dit, j'ai vu ça avec une copine. On peut très bien. Pardon. Ouf. On peut très bien le coloriser avec des encres. Juste sur l'embossage. Ça peut être pas mal. Comme ça, on change la couleur. Et c'est des petites fleurs dans des carrés. On peut très bien couper en ligne. Et on en coupe un ou deux. Ça peut être sympa. Ensuite, on a en vert pastel. Bleu. Pastel.
Après, on a des rayures, mais vous voyez, de travers. En orange. Après, les couleurs, je crois que c'est plus ou moins les mêmes. C'est juste les designs qui changent. En bleu. Alors là, j'adore. Et même Isa m'a dit, c'est dommage qu'on ne fait pas. Ils n'ont pas fait couleur marron. Ça fait penser à une tablette chocolat, vous savez, les cartes. Pourquoi pas? On espèce de rose. C'est plus rouge, mais c'est rose. Là, on a des. Regardez, c'est vachement bien embossé. Et on le sent. Là, on a des petites fleurs blanches. Pareil, on peut changer la couleur. Donc, bleu pastel. Voilà, celui-là, hop, c'est le Retro Vibes. Hop. Ensuite, j'ai pris le Pastel Sweep. J'ai pris les quatre, de toute façon. Alors, moi là, c'est pareil, oui, ça va pas tenir. Alors, on a des pois, des gros pois. Ça change de la tuile, on a des petits. Donc là, ça va être couleur pastel, jaune. On a les mêmes. Bleu vert, je ne sais pas trop. Bleu indien, peut-être. Alors, celui-là, je suis moins fan du design. Pas trop comment l'utiliser. Trop rare. En bleu. Là, on a un petit peu de. Comme si on avait jeté des gouttes. Il y a des grosses, des petites. En rose. En blanc. Pareil, on n'est pas obligé de garder la couleur blanche. Alors là, honnêtement, on n'arrive pas à savoir exactement quelle forme c'est. Mais c'est plutôt sympa. Jaune pâle comme ça. En bleu indien. Et par contre, quand vous touchez, on sent super bien. D'ailleurs, ça a traversé la page. Là, magnifique, c'est là avec des fleurs. Oui. C'est des fleurs autour d'un rond. En bleu. Là, on a les pois. Rouge et en blanc. Donc j'avoue que celui-là, il est plutôt pas mal du tout. Ensuite, celui-là, c'est le. Hop, je me suis à la fin. J'ai une préférence, c'est le pastel et celui-là, j'aime un tout petit peu moins. Ensuite, on a le Cool Blue Tone. Alors, celui-là, je l'ai pris pour Isa, il voulait en bleu. Mais je crois qu'elle va prendre les autres. Elle a eu de l'exclusivité hier de voir ce que j'ai acheté. Alors, là, on a. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est joli. Un beau bleu, d'ailleurs. Bon, là, c'est que des bleus. Hein. On a celui-là. Après, on a des pois. Un bleu. Celui-là, je dirais un bleu. Bleu vert. Ça a un nom. Je sais plus. Voilà, en pastel. Là, c'est des petites fleurs. Les blancs, ils m'ont paraissé blancs. Celui-là. Alors, ils sortent du bleu, mais ils ont mis du blanc. Allez comprendre. Là, c'est des rayures. Tout bon. Joli bleu foncé, comme ça. En bleu, comme ça. On voit moins sur les couleurs foncées.
Alors, celui-là, j'aime pas du tout le dessin. Mais en petite touche. Au début, je me disais que cela, j'aurais peut-être pu utiliser sur un style crunch. Mais un bleu comme ça, je suis pas sûre. Oui, ça passe. En petite touche, celui-là. Et là, c'est encore un autre design. Oui, une sorte du bleu, mais je sais pas ce que celui-là vient faire. Et la dernière, c'est ça. Et viens, on sent bien. Et celui que j'aime un petit peu moins. C'est le Jungle Fever. Mais je me dis, comme on a pas mal de tampons, vous savez, lion, girafe, éléphant, singe, ça fait, ça irait bien avec le tapis. Alors, je vais mettre en tonce. Hop. Et même sur la couverture, c'est bien mon brossier. Alors, celui-là, j'adore. Ça fait, il fait tronc d'arbre. Marron, comme ça. En crème. La couleur, par contre, j'aurais vu plutôt plus foncé. Ça va pas avec le dessin. Après, on a les feuilles de panier. Ouais. En plus clair. Alors là, j'aime pas du tout le. Je peux être de plume. Hein. Je suis pas du tout. Je vois pas. Enfin, c'est pas une plume. Non. C'est plutôt une. Oui, c'est pas une plume. C'est une branche un peu comme palmier, mais tout fin, mais j'aime pas du tout. Voilà, la couleur. Oh, j'aime pas du tout, du tout. Là, pareil, il fait bois aussi. Super joli. Le crème, il faut qu'il arrête. Ça va pas du tout avec le reste. Là, j'adore. Grosse feuille comme ça. En vert clair. Là, ça fait plutôt tache comme j'aime. Plutôt sympa. Et la dernière. Pareil, la couleur. Bof. Je fais de marron rongé. Pas du tout. Mon choix, c'est quand même. Préférence, c'est le pastel et après, c'est celui-là à la fin. Donc voilà. Pour une dernière chose. Dans mon grand action, souvenir, j'avais trouvé les tampons bois là. J'ai pas trouvé les nouveaux. Mais il n'y avait pas celui-là dans l'autre action. Là, ils étaient tous. Bon, il y a celui avec la fleur que j'ai pas pris. Et deux autres petits. Mais c'est celui-là qui me plaît. Celui-là, bof. Mais celui-là, j'aime beaucoup. J'en ai pas comme ça. Je crois que c'est à 84, 89 centimes. Je trouve ça. J'ai pris ça. Voilà, là, cette fois-ci. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.